Eh bien, bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va super. Alors, je ne vais pas mentir, vous m'avez manqué. Alors, désolé de ne pas avoir posté régulièrement sur ma chaîne. Alors, j'étais en vacances et je suis maintenant de retour. Et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment faire un hôtel de luxe dans Minecraft. Alors, en espérant qu'il vous plaira, il est hyper simple à faire. Il suffit simplement de bien suivre mes instructions et tout devrait bien aller. Alors, on se retrouve pour la construction après l'intro. N'hésitez pas à lâcher le gros pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche, c'est super important. Alors pour commencer, vous allez ouvrir votre inventaire et vous allez prendre des blocs de quartz, des blocs de quartz rayé, des escaliers en quartz, des verres noirs, des vitres noires, de la laine grise, des bois de sapin, des feuilles de chêne et des tapis rouges. Voilà, alors c'est tout ce que vous avez de besoin pour faire l'extérieur de cet hôtel. Donc nous allons commencer par faire la base de l'hôtel. Donc vous allez prendre des blocs de quartz. Vous allez commencer par placer 10 blocs l'un à côté de l'autre. Donc on va compter ça ensemble. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, excellent. Et là, sur le dernier bloc, vous allez rajouter 5 blocs en hauteur. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Là, vous allez venir juste à côté et vous allez compter 7 blocs d'espace. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, sur le 8e bloc, vous allez placer un bloc de quartz. Et là, juste à côté, vous allez rajouter 7 blocs. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà, donc vous devriez avoir 8 blocs en tout. Et là par-dessus, le bloc ici, le premier bloc, vous allez rajouter 5 blocs en hauteur. Donc 1, 2, 3, 4, 5, voilà, la même chose que l'autre côté. Et là, vous allez rejoindre le tout ensemble. Voilà. Maintenant, ce que vous allez faire, juste ici, vous allez placer des blocs de quartz. Donc vous allez rejoindre les deux côtés ensemble. Vous allez prendre les vitres noires, vous allez en placer 4 ici, 4 de l'autre côté, et vous allez rajouter une comme ça. Et ici au milieu, vous allez placer 3 blocs de quartz. Voilà. Là, ce que vous allez faire ensuite, vous allez venir sur le côté ici à droite, et là, vous allez rajouter 10 blocs de quartz. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, super. Et là, ce que vous allez faire sur le côté de l'hôtel, vous allez rajouter 23 blocs. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3. Voilà, super. Et là par-dessus le dernier bloc, vous allez faire la même chose. Donc vous allez rajouter 10 blocs de quartz. Maintenant à l'arrière de l'hôtel, même chose. Donc vous allez rajouter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24. Voilà, donc les mêmes mesures que le devant de l'hôtel. Et là, c'est très très simple. Vous allez tout simplement rejoindre les deux côtés ensemble. Donc vous devriez avoir quelque chose comme ça. Maintenant, ce que vous allez faire, vous allez rejoindre les deux piliers juste ici avec des blocs de quartz. Et après ça, vous allez simplement fermer le tout ici pour faire un mur, toujours avec des blocs de quartz. Alors vous allez voir les amis, l'hôtel, il est très très simple et il est très très beau également. Et si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le demander dans les commentaires. Je peux vous aider, je peux vous répondre. D'ailleurs, je tiens à préciser que l'intérieur ne sera pas fait dans cette vidéo. Par contre, si vous voulez que je fasse l'intérieur dans une autre vidéo, laissez-moi savoir dans les commentaires. Et bien sûr, n'hésitez pas à lâcher le gros pouce bleu, à vous abonner et surtout activer la cloche, c'est super important. Thank you.
Maintenant, avant de passer à l'hôtel, nous allons terminer l'entrée. Donc là, ce que vous allez faire, maintenant, vous allez prendre des escaliers en quartz et juste ici, en face des vitres, vous allez placer 1, 2, 3, 4. Voilà, et vous allez faire la même chose de l'autre côté. Donc 1, 2, 3, 4. Et là, vous allez rejoindre les deux toujours avec des escaliers. Et là, ici au milieu, vous allez placer des blocs de quartz. Maintenant, vous allez venir sur le côté de l'hôtel et là, vous allez placer 24 blocs en longueur. Et vous allez faire la même chose à l'arrière, donc vous allez placer 24 blocs également. Et vous allez rejoindre les deux côtés ensemble. Maintenant, ce que vous allez faire, vous allez prendre les verres noirs et vous allez tout simplement en placer tout autour du premier étage de l'hôtel. Alors, vous allez placer des vitres noires pour faire une grande fenêtre toute vitrée. Alors, vous allez voir, ça va rendre très très beau à la fin. Et effectivement, moi personnellement, je préfère les vitres noires. Par contre, vous pouvez toujours utiliser des vitres blanches aussi, ça rend très très beau. Par contre, pour rester dans le style moderne, je vous conseille personnellement d'utiliser les vitres noires, ça rend beaucoup mieux, je trouve. Et voilà, donc nous avons le premier étage de l'hôtel de terminer. Alors c'est vrai que je vais un peu trop vite et plusieurs me l'ont dit dans les vidéos précédentes. Par contre, je ne veux pas que la vidéo soit très très longue, donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause. Faites l'étage et après reprenez la vidéo, c'est la meilleure façon pour reproduire le tutoriel. En tout cas, bref, maintenant après ça, ce que vous allez faire, vous allez prendre la laine grise. Et là, vous allez venir juste ici les amis. Et là, vous allez placer ici 4 laines grises comme ça et vous allez faire la même chose de l'autre côté, voilà comme ça, et là vous allez rejoindre
les deux ensemble, toujours avec de la laine grise. Voilà, comme ça. Et là, ici, nous avons l'entrée de l'hôtel. Et maintenant, vous allez rajouter 13 blocs en longueur. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Voilà. Et là, vous allez faire la même chose de ce côté. Donc, 13 blocs. Et après ça, vous allez rejoindre les deux ensemble. Voilà. Et là, vous allez fermer, bien sûr, le haut toujours avec de la laine. Et maintenant, pour rajouter de l'épaisseur, vous allez refaire exactement la même chose juste en dessous. Et voilà, maintenant nous avons presque l'entrée de terminée. Donc vous devriez avoir quelque chose comme ça pour l'instant. Maintenant, ce que vous allez faire, vous allez prendre les blocs de quartz rayé. Vous allez venir juste ici. Vous allez compter un bloc d'espace. Et ensuite, vous allez avancer de 4 blocs d'espace. Donc 1, 2, 3, 4. Et maintenant, ce que vous allez faire, sur le cinquième bloc, vous allez placer 1, 2, 3, 4 blocs de quartz rayé. Et là ensuite, vous allez compter 2 blocs d'espace. Vous allez prendre les bois de sapin et vous allez en placer 3 comme ça, l'un à côté de l'autre, avec 2 feuilles de chêne par-dessus chaque bois. Et là ensuite, même chose, vous allez compter 2 blocs d'espace et vous allez placer 4 blocs de quartz rayé. Et vous devriez avoir ceci. Et là, vous allez reproduire exactement la même chose de l'autre côté de l'entrée. Et nous avons l'entrée de terminée. Bien sûr, si vous voulez rajouter de la décoration, vous pouvez le faire sur les côtés. Ça marche aussi, ça rend très très beau. Maintenant, je vous conseille de prendre des dalles en quartz. Et là, nous allons tout simplement entourer le bois comme ça avec des dalles. Je trouve que ça rend très très beau. Et ensuite, vous allez prendre les tapis rouges. Vous allez commencer par en placer ici sur les blocs de quartz. Et après ça, vous allez également en rajouter juste en avant. Je trouve que ça rend un hôtel de luxe avec le tapis rouge. Je ne sais pas qu'est-ce que vous vous en dites, mais laissez-moi savoir votre avis dans les commentaires. Moi, personnellement, je préfère garder ça comme ça. Ça rend très très beau. Et maintenant, après ça, ce qu'on va faire, vous allez prendre les blocs de quartz. Et là, nous allons tout simplement entourer le tout comme ça avec les blocs pour rajouter du détail. Et bien sûr, après ça, vous allez placer des blocs de quartz pour remplir le milieu.
Et voilà, tout va bien pour l'instant. Maintenant, ce qu'on va faire, juste ici, on va mettre la lettre H O T E L pour écrire hôtel. Alors moi personnellement, j'ai déjà préparé mes bannières juste ici. Alors ce que je vais faire, je vais mettre un lien d'un tutoriel de comment faire les lettres comme ça avec les bannières dans la description de cette vidéo. Alors n'hésitez pas à regarder le tutoriel sur comment les faire et après ça revenez continuer mon tutoriel à moi. Personnellement, ce que je vais faire, je vais les placer juste ici comme ça. Ça rend très très beau, je trouve. Et bien sûr, assurez-vous de mettre les lettres au milieu, donc laissez 4 blocs vers la gauche et 4 blocs vers la droite. Et voilà, vous aurez l'entrée de l'hôtel de terminer. Personnellement, l'entrée, je l'adore, je le trouve magnifique. Et bien sûr, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à ajouter des arbres, des fleurs, des herbes sur le côté, ça rend encore mieux. Personnellement, je vais laisser ça comme ça pour l'instant. Maintenant, après ça, ce que vous allez faire, nous allons faire les étages de l'hôtel. Donc après ça, vous allez prendre les blocs de quartz. Vous allez rajouter un bloc comme ça sur le côté. Et par-dessus ce bloc, vous allez rajouter une hauteur de 10 blocs. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excellent, vous allez faire la même chose à l'arrière de l'hôtel. Donc vous allez rajouter un bloc. Et même chose, vous allez rajouter 10 blocs d'hauteur, donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et excellent, vous allez rejoindre les deux ensemble. Et voilà, et vous allez faire la même chose également juste ici. Et tout comme le premier étage, vous allez fermer ça pour faire un mur. Maintenant, nous allons faire exactement comme le premier étage. Donc, sur le côté du bloc, vous allez placer 24 blocs. Donc, voilà. Ça va être toujours les mêmes mesures pour les étages de l'hôtel. Et moi, personnellement, j'ai décidé de faire 4 étages pour l'hôtel. Par contre, si vous voulez rajouter des étages, c'est toujours possible. Alors, faites comme vous voulez. En tout cas, ici, vous allez placer 24 blocs. Même chose que le premier étage. Et vous allez faire la même chose, bien sûr, vers l'arrière de l'hôtel. Et vous allez rejoindre les deux ensemble. Voilà, et là vous allez prendre les vitres noires. Et vous allez tout simplement faire une grande fenêtre vitrée. Donc pour que la vidéo soit pas très très longue, je vais le faire de mon côté et on se retrouve tout juste après pour vous montrer le résultat. Et voilà, nous avons le deuxième étage de l'hôtel de terminé. Alors vous devriez avoir quelque chose comme ça. Maintenant pour continuer, toujours la même chose, vous allez rajouter un bloc ici. Et là, vous allez monter ça d'une hauteur de 10 blocs. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, vous allez faire la même chose à l'arrière de l'hôtel, donc un bloc de plus, 10 blocs d'hauteur, donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous allez rejoindre les deux ensemble. Et vous allez faire la même chose vers le bas.
Toujours le même principe, vous allez fermer ça avec des blocs de quartz pour faire un mur sur le côté. Maintenant, après ça, ce que vous allez faire, vous allez tout simplement rajouter des blocs ici afin de faire le contour de l'hôtel. Donc voilà, le même principe que le premier et le deuxième étage. Et là, vous allez faire la même chose en avant de l'hôtel. Et après ça, vous allez rejoindre les deux ensemble pour pouvoir ensuite placer des vitres noires. Vraiment, c'est très très simple, donc n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Et comme j'ai déjà dit, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le demander dans les commentaires. Et après ça, vous allez placer des vitres encore tout autour. Et voilà, nous avons le troisième étage de l'hôtel de terminé. Alors pour continuer, vous allez placer un bloc comme ça, de décalé vers l'extérieur. Et vous allez rajouter par-dessus ce bloc 10 blocs. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, même chose à l'arrière de l'hôtel. Et là, vous allez rejoindre les deux ensemble. Même chose vers le bas. Et là, vous allez placer des blocs pour faire un mur. Et voilà, et maintenant, même chose, nous allons faire l'extérieur pour pouvoir ensuite placer des vitres noires. Vraiment, rien ne change et c'est vraiment toujours le même principe. Donc j'espère que vous arrivez à me suivre parfaitement. Et voilà, et maintenant pour le dernier étage, en tout cas pour moi, ce que nous allons faire, c'est que nous allons placer ici 10 blocs d'hauteur. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, voilà, en décalant d'un bloc vers l'intérieur. Voilà. Donc je trouve que ça rend beaucoup plus beau pour terminer pour le dernier étage. Ça rend un style moderne comme ça, et après ça rentre à nouveau vers l'intérieur. Donc je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais moi personnellement je trouve ça magnifique. Donc je vais laisser ça comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là vous allez rejoindre les deux ensemble, toujours avec des blocs de quartz. Et là vous allez placer ici des blocs pour faire un mur.
Et voilà, et maintenant toujours la même chose pour le dernier étage, vous allez placer des blocs comme ça tout autour. Vous allez faire la même chose vers l'arrière. Et vous allez rejoindre les deux ensemble. Et étant donné que c'est le toit, nous allons également fermer le tout avec des blocs de quartz. Et voilà, nous avons également le toit de l'hôtel de terminé. Alors, on commence à avoir une belle image de l'hôtel quand même. Regardez-moi ça, c'est super beau je trouve. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons placer des verres noirs pour les deux derniers étages. Alors, je vais faire ça encore de mon côté. Et après ça, on se retrouve pour la suite. Et voilà, nous avons tous les étages de l'hôtel de terminé. Donc maintenant, nous allons tout simplement rajouter un peu de détails à l'extérieur pour rendre l'hôtel effectivement beaucoup plus de luxe. Donc ce que vous allez faire, vous allez ouvrir votre inventaire et vous allez prendre de la laine rouge et de la laine blanche. Et là, ce qu'on va faire, vous allez venir juste ici sur le coin ici. Et là, vous allez compter 3 blocs d'espace. Donc 1, 2, 3. Et là, sur le quatrième bloc, vous allez placer 2 laines rouges. Et là, après, juste à côté, vous allez rajouter 4 laines. Et là, par-dessus, le dernier, vous allez rajouter 3 laines comme ça. Voilà. Et là, ce que vous allez faire ensuite, vous allez simplement rallonger le tout jusqu'ici avec de la laine blanche. Et vous allez rajouter 3 blocs ici au milieu pour finir le rectangle. Alors, je sais pas qu'est-ce que vous en dites. Moi, personnellement, je trouve ça très très beau. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire la même chose pour chaque étage. Alors, moi, personnellement, j'ai choisi la couleur rouge et blanche. Par contre, c'est toujours possible de changer les couleurs avec celles que vous préférez. Moi, j'ai trouvé que le rouge et le blanc, ça rend très très bien avec le style de luxe. En tout cas, bref, vous allez faire la même chose jusqu'au dernier étage de l'hôtel.
Maintenant, après que ceci est terminé, vous allez faire exactement la même chose à l'arrière de l'hôtel pour que effectivement, ça ne soit pas juste des fenêtres vitrées, mais qu'il y ait plutôt quelques détails aussi. Et voilà, c'est fait. Donc, vous devriez avoir quelque chose comme ça pour finir l'hôtel. Moi, personnellement, je le trouve vraiment juste magnifique. Tout est beau, honnêtement. Et on est d'accord que c'est très, très simple à construire. Donc, maintenant, ce que vous allez faire, vous allez simplement rajouter quelques dernières touches pour finir. Vous allez prendre des lanternes. Et juste pour rajouter de la lumière, vous allez placer des lanternes de chaque côté ici à l'entrée. Voilà, comme ça, tout juste comme moi. Et rendu à l'intérieur, nous allons simplement séparer les étages avec des blocs de quartz. Donc voilà, vous allez séparer ça ici. Vous allez séparer ça ici également. Même chose ici, etc. Donc moi, je vais faire ça de mon côté et je vous montre le tout juste après. Alors, je vais commencer avec le premier étage et je vais monter au fur et à mesure. Maintenant que l'hôtel est terminé, je vous invite à lâcher un gros pouce bleu. Essayons d'atteindre les 300 likes, je sais qu'on est capable. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche. Si vous voulez que je fasse l'intérieur de cet hôtel, dites-moi le en commentaire. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires également. Et on se retrouve à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Irami Gaming.